Alors, un petit complément sur la régression dans l'enfance. Il faut savoir que vous avez dû entendre donc ou lire peut-être l'ouvrage de Lise Bourbeau qui s'appelle Les cinq blessures. Et généralement, en fait, l'enfant touche l'une de ces cinq blessures. Donc, vous pensez au mot trahi. Donc, on a le T de trahison, le R de rejet, le A d'abandon, le H d'humiliation et le I d'injustice. Donc, quand on est enfant, eh bien, il se passe, c'est qu'on va toucher une de ces blessures avec l'un des événements que nous allons vivre, et cette blessure va perdurer, en fin de compte, durant toute notre période adulte, et donc va réactiver des événements et des réactions, en fait, ou des schémas répétitifs. Voilà, et donc c'est ça que l'on va chercher à soigner et à guérir et à comprendre pour diminuer, en fin de compte, toutes les réactions qui sont liées à l'une de ces cinq blessures, sachant que chacun d'entre nous avons au moins une de ces blessures. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me contacter. Si vous souhaitez vivre une régression dans l'enfance, ça sera avec plaisir de répondre à toutes vos questions. Et puis, sinon, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. À très bientôt. Au revoir.